Salut tout le monde, c'est Stolis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Another World, l'édition 15e anniversaire. Alors Another World, c'est un jeu qui a été créé il y a un bon moment. Hein. Attendez, je vais vous dire l'année. Il n'y a pas l'année dessus. Non, je crois pas qu'elle y soit l'année, mais c'est. Il me semble que c'est un jeu de 95. Je suis pas sûr, mais. Il me semble que c'est un jeu de 95. Attendez, je regarde sur le côté. 1991-2006, ça serait même de 91. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, les gens, je m'excuse. Mais voilà. Excusez-moi, j'ai eu un bug là. Alors, c'est un jeu français. Hein, de toute façon, la plupart des jeux anciens, des vraiment bons jeux anciens dont on entend encore parler, c'est des jeux français. Hein, y a Heart of Darkness, d'ailleurs sur la chaîne de Willong, j'ai vu quelqu'un mettre « Oh bah joue à Heart of Darkness », c'est un petit jeu d'horreur pas très connu, voilà, excuse-moi, tu ne connais pas les jeux vidéo. Parce que Heart of Darkness, si c'est pas connu, voilà quoi. Si non plus n'est pas connu. Ça a été créé par la même personne, il me semble, que Eric Chahi est aussi derrière Heart of Darkness. Je suis pas sûr, ça c'est ça a confirmé. Et donc ils étaient deux sur le projet, il y a Eric Chahi et Jean-François Freitas qui a fait les musiques et puis du coup le sound design du jeu. Mais franchement, pour un jeu qui a été créé par deux personnes, à cette époque-là, c'était déjà... c'était quand même un jeu qui avait marqué, quoi. Maintenant, vous faites un jeu à deux, ça craint un petit peu du boudin. Mais non, franchement, ce jeu-là, si vous pouvez l'avoir, prenez-le. Je ne vous dis pas de le craquer, je ne vous incite pas. Vous pouvez l'acheter, il doit pas coûter très cher. Je sais pas. Moi, là, j'ai la version 15e anniversaire, c'est-à-dire qu'il y a juste un CD en plus bonus avec des musiques, etc. Et que la qualité visuelle du jeu a été rehaussée. C'est juste ça. Hein. Ah, il y a un making-of, il y a le journal du développement, le carnet technique et la bande originale remixée. Remix. Donc voilà, oui, excusez-moi, j'ai craqué mes doigts. Alors là, petit coup de paratonnerre. Mais parce qu'en fait, il configurait un monde ou je sais plus quoi sur son ordinateur et puis voilà, il a voulu installer Windows 8 et puis regardez ce que ça a fait. Voilà. Regardez ce que Windows 8 fait. Enfin bref, et là, on est lancé direct dans le jeu. Allez hop, là, il faut monter en vitesse. Alors, les touches, alors CTRL pour courir. Alors là, je vais me faire piquer, je le sens, non, c'est bon, hop. Donc là, en fait, pour les attaquer, j'appuyais sur bas et CTRL en même temps. Allez, saute. Oh, lui. Sérieux, quoi. Ça, c'est super chiant, les sangsues, ça doit être des sangsues, je pense. Mais des sangsues qui vous piquent une fois et vous crevez, donc c'est quand même des sacrés sangsues. Allez, voilà, comme ça, c'est bon. Donc là, vous avez une bestiole qui vous court après, hein, donc vous courez dans l'autre sens, hein, tout simplement. Alors vous dites « Oh non, elle va m'attraper !» Et ben non, elle tombe. Là, vous dites « Oh non !» Et boum, Indiana Jones. Hop, vous revenez de l'autre côté, vous courez encore. Oui, je connais un petit peu le jeu parce que j'ai vu sur Speed Games qu'il y avait un mec, un français d'ailleurs, qui avait fait un speedrun dessus. Quel record, il me semble. Donc, je me rappelle un petit peu. Je viens en paix. Salut. Gadi sourit. Les animations, voilà. Les animations sont quand même bien faites, je trouve, pour l'époque. Bon, là, nous, on est sympa et pas eux, c'est fumier. Et là, on est dans une cage. Avec les yeux en rétroviseur, on a l'impression, quoi. Vous savez, ça fait... Moi, les yeux, là, ça me fait penser un petit peu à... au phare des petites voitures, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les petites voitures, les phares, enfin les vieilles, hein, les vieilles petites voitures, les phares, vous pouviez les mettre ou les cacher justement dans le capot. Et ben, ça me fait penser à ça quand il ouvre les yeux là.
Allez, boum! Ouh! Allez. Donc là, hop, on s'est libéré de la cage. Donc là, il dit, ah, tu vas droit devant. Alors, faut pas oublier de prendre l'arme parce que sinon, eh ben, vous la prenez pas. Donc là, vous courez. Oh, oulala! Ok, j'ai pas compris. Alors, et vous revenez là, c'est génial. Les checkpoints sont, des fois, sont loin. Donc, quand vous essayez de faire un speedrun sur ce jeu-là, autant vous dire que si vous mourrez une fois, c'est même plus la peine, quoi. C'est à moins que vous avez des glitches pour mince, pour les checkpoints. C'est non, non, c'est même plus la peine parce que. Allez, oui, c'est bien, j'ai compris ça. Hop. Donc vous prenez l'arme, hein, vous appuyez sur bas ou CTRL ou tout autre. Donc là, il va revenir normalement. Et là, boum, boum, là vous bourrinez tout simplement le bouton. Là, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Et là, hop, vous faites des boucliers. Là, vous faites que ça, des boucliers. En attendant qu'il pirate le code. Parce que sinon, tac. Allez, dépêche-toi, quoi. Et voilà. Allez, vite, 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 vite. Hop. On monte. Je vais vous montrer la petite cinématique, et voilà. Pour l'époque, ça c'est quand même super beau, quoi. Moi j'ai pas vraiment connu, hein, je vous dis ça parce que en fait je m'en doute. Mais voilà quoi. Et donc, à partir d'ici, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il faut faire. Donc attendez. Oh. Ah putain, les touches rémanentes quoi. Excusez-moi les gens, je vais relancer mon clavier. Les touches permettent en appuyant sur une touche pour. Alors, non. Ah, je suis désolé les gens. Attendez, je relance l'enregistrement. 3, 2, 1. Attends, non, non, attendez. 3, 2, 1. Enregistrement. Voilà. Excusez-moi. Je couperai peut-être au montage, mais c'est chiant parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'utilise Shift au lieu d'utiliser. Voilà. Au lieu d'utiliser CTRL pour le. Bah allez! Craque le code. Ah non, c'est bon, ok. Alors, tac, ça c'est bon. Ok, fallait juste faire ça parce qu'en fait, il faut être super rapide avec ce bonhomme-là, sinon il vous tue d'un coup. Et donc, tac. Boum. Et donc, il est bloqué. Et donc, le temps en fait qu'il pète tout ça. Hop là. Dépêche-toi. 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 Faut pas qu'il meure lui non plus. Ouh là là, vite, 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 ouh là là, vite, vite, vite. Ouh là 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 là. Alors, ouh là là, ici je ne me rappelle jamais. Ok, faut pas que j'aille de ce côté, il y a l'air d'avoir du gaz. Parce qu'en fait, si c'est vraiment au pif, qu'en gros. Ah ben non, c'était de l'autre côté, parce que là vous tombez trop bas. Ici c'est vraiment la. Alors faut pas aller, bien évidemment, c'est la fumée, c'est du mal. Hein. Donc, tac, là, vous continuez. Oh, y'a lui! Excusez-moi, les gens, je suis super concentré, mais c'est vraiment chaud. Allez. Non, ça, c'est abusé, ça. Alors, attendez, j'avance avec précaution. Attention. Wouh! Attendez, je suis désolé les gens, j'avance vraiment. Ouh là là. Et allez, je suis pas passé du bon côté, quoi. C'est ça qui est super chiant ici. Enfin, dans cette partie du jeu, c'est que, ok, j'ai. C'est que c'est vraiment du pif, quoi. À part la fumée, là, c'est vraiment du pif. Et c'est vraiment saoulant, quoi. Donc là, on avance en faisant gaffe. Ok. Hop. Allez. Donc là, il faut aller à gauche. Pouf. Alors là, je fais encore gaffe parce que ils mettent souvent des pièges. Non, c'est bon. Ok, c'est bon.
Ouh, et voilà. Et là, votre arme se recharge. Ok, je me suis gouré. Allez. Et puis, allez hop. On re-recharge l'arme. Allez, 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 allez. Voilà. Oh mon dieu! Oh, il y a des... Oh non, je me suis gouré. Allez hop, on recharge. Vous voyez, les checkpoints sont très mal, sont distants là, des fois, donc en speedrun vous perdez une fois, voilà quoi, c'est même pas la peine, c'est reset. Parce que c'est une énorme perte de temps. Allez hop. Oh, j'appuie sur Shift quoi. Faut que je fasse gaffe de pas refaire de touche rémanente parce qu'en fait ça arrête l'enregistrement Fraps. Donc voilà. Allez. Bah alors. Donc voilà. Allez, on y go. Mais allez, j'appuie! Sérieux quoi. Allez, on se dépêche. Allez, allez, allez. Allez. Allez, hop, on recharge l'arme. Tac, allez, 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 allez. Voilà. Quand même, quoi. Alors, attendez, je crois qu'ici, il faut péter le truc, en fait. Voilà. Hop, je ne tombe pas là-dedans parce qu'il me semble que ça vous tue. Je sais jamais c'est dans Curd qu'il faut faire ça. Attends, est-ce qu'il faut péter là ou pas? Ouais, là on peut péter. Ah oui. Alors attendez. Il me semble qu'ici ça vous tue. Voilà, ok. Alors ici, ouais, non, ici c'est pareil. Ça vous montre juste qu'il y a de l'eau en fait. Et cette eau, il va falloir la mettre ailleurs. Mais non, je veux pas tirer, mec. Qu'est-ce que tu me vois contre là? Alors attention. Donc. Ok, oh là là. Ici, il faut péter. Non, non, non. Hop, 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 hop. Et je me suis bloqué. C'est génial. J'ai plus qu'à mourir. Oh. J'ai pas pu mourir. Ah, là, j'ai pu mourir. Donc ici, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Non! Pourquoi j'appuie sur Shift à chaque fois? Et là, je vais me tuer. Ah non, c'est bon. Alors, tac. Hop, ici. Hop. Donc, ici. Donc, ici. Hop, on court, on court, on court, on court, on se grouille. Et on meurt. C'est génial. Attendez. Attendez, parce que je ne me rappelle même plus du tout de ce qu'il faut faire. Hop. Alors attendez. Tac. Hop. Non. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'appuie sur Shift. Donc hop, là, je m'en vais. Voilà. Et là, normalement, je peux passer. C'est, en fait, rien n'est indiqué, mais c'est quand même assez, assez compréhensif. Attendez, ici. Ok. Alors, après quelques morts, enfin,
Hop. Oui. Bien, 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 bien. C'est incroyable. Bon, là, je crois en fait il faut aller en haut. Hop. Alors attendez parce que... Ah merde, attendez, je crois qu'il va mourir. Attendez. Si je vais par ici. Ouais, non, 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 non. Faut que j'aille en bas. Faut que j'aille en bas. Si je fais bas. Non, ça marche pas. Faut que j'aille en bas et faut juste que je me dépêche à le buter, l'autre. Oh, lui, sérieux? Et alors là, c'est la fête, c'est la mort partout. Ça devient souvent. Et allez, mais allez, quoi! Oh, sérieux? Merde, non, 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 non! Oh, sérieux? Poum! Oh là là, mon dieu! Oh non, mon dieu! Et vous allez assister à la cascade la plus épique de toute votre vie! Boum! Oh là là, le bug! Oh là là, oh, ok. Ok. Oh, allez, sérieux, quoi. Bon, les gens, on va s'arrêter là, hein, parce que là, j'en ai un petit peu marre, là. j'en ai un petit peu marre. J'arrête pas de mourir, je trouve pas ce qu'il faut faire. Je me rappelle plus du tout de ce qu'il faut faire. Donc, les gens, on va s'arrêter là, hein. C'est sur cette petite panoplie de morts que nous allons nous arrêter. Mais c'est nul, je peux même pas mourir ici. Et c'est sur une dernière mort que nous allons... mourir. Boum! Et voilà, crève bien, fumier. Donc franchement, c'est Another World. C'est franchement un bon jeu, difficile franchement si vous avez 12 ans. Là, c'est même pas la peine. même si vous êtes un pro de Call of Duty, croyez-moi. enfin bref. Ah bah c'est tout les gens, c'est tout pour ce petit Retro Gaming Style. Moi je vous dis à plus et n'oubliez pas. We can have a lot of fun. I'm a man.